Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo setup comme je vous avais tous demandé. Et ben voilà, je vous la fais. Donc c'est une petite vidéo vite fait parce que là je viens de me réveiller, voilà, j'y ai pensé vite fait. Et puis voilà, donc on commence par le clavier les gars. Alors c'est un Klim Dash, donc voilà, dans ce cas je vous mettrai tous les composants, tous les claviers, souris que j'ai, enfin tous les trucs que j'ai les gars en description. Et puis voilà, donc du coup c'est un Klim Dash les gars, voilà, je m'en doutais. Voilà, ça fait comme ça. Du coup voilà. Alors après on a l'appui pour pas se faire mal parce qu'après sinon c'est un peu dur. Ensuite la souris, alors je sais pas c'est quoi la marque, elle a coûté 8 euros mais elle est archi bien. Du coup voilà, je vous la conseille. Toujours pas cassée. Ensuite on a le Beard UMA. Alors je vous le déconseille énormément parce que alors déjà faut vraiment être à côté, sinon on vous entend très très mal. Et genre si vous écartez vraiment, c'est genre vous êtes hyper loin de votre micro, mais vraiment genre moi je suis vraiment à 2 cm de mon micro, on m'entend hyper loin. Du coup bah je sais pas si c'est un réglage que je dois faire ou quoi, mais si c'est ça les gars, dites le moi en commentaire s'il vous plaît. Voilà, donc là j'ai ça les gars, c'est ma fausse GoPro mais elle me sert vraiment, c'est une cross tour, voilà, ici là, voilà. Et bah ça me permet du coup de filmer mon clavier, voilà, donc pour les cams on cam, un truc comme ça, voilà. Ici poser mon téléphone pour le chat. Ensuite l'écran LDLC, alors c'est un ancien écran 60 Hz, il est vraiment utile parce que genre le blond il est archi stylé parce que genre tout noir après ça prend la poussière. Bah, après je dis ça parce que j'ai un tapis tout noir et ça prend vraiment la poussière. Mais genre l'écran je le kiffe et tout. Donc je vous le conseille énormément. Du coup on va passer au tapis de cerise, c'est un Vix King, voilà, je sais pas le prononcer mais c'est ça. Donc je vous mettrai aussi en description. Hein. Ensuite ici on a une tour Empire Gaming, voilà. Alors ici je l'allumais, ah oui mais j'ai pas allumé mon PC les gars, je vous l'allume vite fait, hop là, voilà, ça fait comme ça, franchement stylé. Pareil pour le clavier les gars, je vous l'allume. Alors attendez, ah oui, est-ce que faut que le truc soit allumé? Ouais, faut que le truc soit allumé les gars, je vous montrerai un peu. Du coup ici on a les composants. Alors j'ai une GTX, enfin une GeForce GTX 1060, 16 Go de RAM DDR3. J'ai un processeur i5-2000 quelque chose, il me semble, donc deuxième génération. Je compte changer parce que c'est vraiment de la grosse merde. J'ai quoi d'autre? Carte mère. Au pire, je vous mettrai vraiment tout en description, les gars, parce que je connais pas vraiment tout, mais j'irai checker un peu après. Et puis voilà. Pour ce qui concerne la chaise, les gars, je vous la montre 2 secondes. Voilà, les gars, comment est ma chaise. Voilà, je vous la mettrai aussi en description. Elle est super agréable. Les poignées. Enfin les coudes là, les trucs pour les coudes, ça se remet, ça se range, voilà. Après on peut aussi baisser le siège, la remonter avec mon petit casque les gars, donc je vais vous montrer mon petit casque dans un instant. Donc les gars, pour ce qui est de mon casque, je vous le montre, voilà. Alors ici on a un casque, c'est un Technet. Alors pareil, franchement le micro il est mieux que le Beard UMA. Après niveau niveau son, c'est pas du tout ce qu'il faut. Genre vraiment on entend ce qui est de l'extérieur. Genre ça, genre franchement je vous conseille un petit HyperX parce que celui-là vraiment c'est pas le meilleur, voilà. Mais ça peut faire l'affaire, donc voilà, voilà. Pareil je vous mettrai en description, donc voilà. Du coup c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Du coup prochaine vidéo peut-être mercredi, je compte sur vous pour être actif. Et puis peut-être un live juste après. Allez, ciao.